passé. Qu'est-ce que tu t'attendais à quoi face à Tchèque? Tchèque connaît? Oui. Bah déjà je savais que c'était un excellent combattant. Comme les gens ont dit, c'était une finale avant l'heure. Malheureusement, je me suis pris un... Je sais plus c'était quel coup, mais ça m'a déconnecté. Donc, je me rappelle plus trop du combat. Donc apparemment, j'ai gagné. Ça, mais... Donc apparemment, j'ai gagné. Je peux pas vous raconter les actions du match, mais bon. Vu les spectateurs, vu la tête de mon coach, ça a été même vu, même vous, ça se voit que c'était un beau combat. Donc maintenant, si j'ai gagné, tant mieux. J'ai gagné sur quoi? Tu te rappelles pas de quoi? Tu lui as fait une clé de bras? Tu lui as fait un jugatamé, en croix, par terre. Ouais, tu l'as amené au sol, il a résisté, et t'as réussi à l'amener au sol, et t'es passé en clé de bras, et c'est passé quoi. Et c'est quel coup qui m'a sonné? Bah, je crois que c'est un genou, moi, mais apparemment, ton coach, il disait que t'avais glissé. Mais je crois que c'est un genou direct en assaut, quoi, frontal. Ah ouais, parce qu'il a réussi à me péter dedans, un bout dedans. Donc, si j'ai réussi à faire un jugiste, ce qui n'est pas ma spécialité, je suis doublement fier de moi vu que j'étais encore sous l'effet de son genou. La victoire en elle-même, elle ne m'intéresse pas. Moi, je veux que les gens ils viennent, ils payent, ils se régalent. Donc, maintenant, j'ai entendu les supporters, j'ai vu de la joie dans leurs yeux. Donc, c'est réussi. Merci, France, en tout cas. De rien.